j'ai participé au premier match parce que je voulais jouer avec ma fille et mon fils, donc voilà, c'est bien. Et maintenant, il y a encore un match à faire. Avec cette chaleur, c'est compliqué, mais c'est sympa, c'est bon public, c'est, voilà, on se régale. C'est vrai que Denis, c'était un peu le... Au jour d'aujourd'hui, de donner l'opportunité d'organiser ce match et surtout de donner l'opportunité de se retrouver, que ce soit pour son jubilé et surtout pour fêter les 20 ans. Et là, on sent que voilà, la satisfaction et le plaisir de se retrouver, de reparler de bons souvenirs et surtout donner l'opportunité à des gens justement de pouvoir côtoyer ces moments-là avec nous. Les gens qui vont venir, qui vont pouvoir échanger et surtout apporter un plus au handball. Des belles histoires et 10 ans de vie commune, et bah c'est sûr qu'il y a beaucoup de souvenirs et surtout des bons, des Jeux Olympiques, des Championnats du Monde. C'est vraiment sympa. Ouais, c'est indélébile, c'est un titre de champion du monde. Qui plus est, ça a été le premier du handball français, mais non seulement du handball français, du sport collectif français. Alors bien évidemment, ça a marqué tout le monde. J'avais dit, il y a 9 mois, je me préparais pour être champion du monde. Et puis aujourd'hui, regardez, on est champion du monde. Comme quoi, je crois au destin. Ouais. C'est magnifique. Vous l'avez gagné où, ce match-là ? Avec les tripes. Ouais, il en reste des souvenirs. Ça a été un peu le déclencheur de la performance de nouvelles générations. C'est vrai que le handball en France, on a toujours donné le côté sport scolaire. Et à chaque fois, il faut les confirmer dans le choix de la réussite et avoir un résultat pour pouvoir valoriser encore plus. Et surtout, les équipes qui jouaient l'équipe de France ne valorisaient pas leur performance. Et nous, on était à la recherche de ces résultats pour prouver à nous-mêmes d'abord et à prouver que les autres équipes, il faut être encore 2 fois plus meilleures pour pouvoir nous poser des problèmes. Et là, aujourd'hui, c'est la concrétisation du travail, de la formation des entraîneurs qui donne l'opportunité à des jeunes aujourd'hui de pouvoir être performants et continuer à porter haut et fort le maillot bleu-blanc-rouge. Si aujourd'hui on a pu monter cette opération qui est quand même lourde financièrement, c'est parce que j'ai eu des partenaires et c'est des gens qui ont vécu ces moments forts avec nous de 90 à 95. Je peux partir tranquillement, la relève est assurée.